très fatiguée par la bataille judiciaire sur l'héritage de son époux, Laetitia Hallyday a décidé d'aller passer du bon temps à Saint-Barth avec ses deux filles, Jade et Joy. Arrivée lundi 16 avril, l'ex-mannequin est allée se recueillir sur la tombe de Johnny Hallyday avant d'accompagner ses enfants à la plage pour un moment de détente, loin du tumulte judiciaire et du chagrin du décès du chanteur. L'occasion pour les fillettes de 9 et 13 ans de s'amuser en réalisant des figures dignes de petites gymnastes. Laetitia de son côté semblait apaisée, même si l'on devine l'émotion de son retour sur l'île, ainsi qu'au cimetière de Lorient où elle n'était pas revenue depuis janvier. Quelques heures avant cette sortie plage, la veuve du rocker était allée se recueillir avec ses filles sur la tombe de Johnny, pour saluer la mémoire de leur père. Le trio avait apporté un cœur taillé dans la pierre. Laetitia n'avait pas pu retenir ses larmes et s'était effondrée au sol. Dans son chagrin, l'épouse du chanteur a pu compter sur le soutien de ses filles qui se sont tenues auprès d'elle, à Saint-Barth. Les visages de Laetitia, Jade et Joy sont bien connus. Après l'inhumation de Johnny le 5 décembre dernier, à laquelle Jade et Joy n'avaient pas assisté, Laetitia se rendait quotidiennement sur sa tombe. Avant de rentrer à Los Angeles, elle s'était occupée d'organiser avec un fleuriste l'entretien de la tombe de son mari. Retrouvez cet article sur closermag.frlogera se moque d'Edith Preto et se fait lyncher sur les réseaux sociaux. Photos, Bordeaux PSG. Découvrez les femmes des joueurs Sabi. La chienne de George Michael est morte 2 ans après son maître Taylor Swift. Un fan entre chez elle, prend une douche et fait une sieste dans son lit. Photo, l'underboob sexy de Black China sur Instagram.